Le plus, c'est le logement en milieu rural, semi-rural, puisque surtout le logement locatif, puisque les jeunes ne trouvent, les personnes âgées ne trouvent pas de logement actuellement pour répondre à leurs besoins, et puisque l'offre essentielle est privée, et souvent avec des logements de mauvaise qualité, aussi bien de construction que d'isolement. Donc après, en plus, ils ont des frais très importants. Et donc pour moi, une des priorités, c'est d'augmenter l'offre de logement social, public, sur tout le territoire rural. Et surtout de logements de qualité, puisqu'on associe souvent le logement social à du logement de mauvaise qualité, mais c'est pas toujours, ça ne doit pas être une réalité. Et donc essayer d'obtenir que du foncier soit disponible pour de telles opérations avec des opérateurs publics. Est-ce qu'il faudrait légiférer pour cela ? Peut-être imposer, en tout cas, puisque la loi actuelle impose du logement social pour les communes de plus de 3500 habitants. Et donc nos communes rurales dépassent rarement ce seuil. Et donc il faudrait peut-être rabaisser la barre, ou en tout cas inciter, aider les communes qui le souhaitent à acquérir le foncier pour mener des opérations. Alors peut-être au lieu de mettre imposer des amendes comme c'est fait à l'heure actuelle, c'est plutôt aider les communes qui sont volontaires.